les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des Birchbox juin 2016 et si vous êtes intéressées, restez avec moi. Alors cette mois-ci en fait on avait un pochon qui c'était quand même plutôt pas mal. Après je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont dit que ça sentait pas bien, ça sentait mauvaise. Mais bon, c'est tout à fait normal pour ce genre de matériaux. Mais bon, donc ça se présente comme celle-ci. J'aime bien quand même les couleurs de la zip, si vous pouvez voir. Et j'aime bien aussi la couleur qu'il y a ici dans ces machins. Pourquoi pas, hein? Après, bon, c'est quand même... C'est quand même un truc comme ça, hein? C'est rien de palpitant. Hein? Et du coup, on va retrouver les produits. Donc, du coup, moi, j'ai reçu les nettoyants pour été d'Absolution. J'avais jamais entendu parler de cette marque, mais je me dis, bah, c'est quand même bien de découvrir des produits, surtout que je crois que c'est quand même une marque française. Et c'est bien, je suis quand même ravie. Bah, ces produits 150 ml, ça a la valeur de 29 euros. Et moi, je reçois en fait 115 ml. Et donc, ça se présente comme celle-ci, si vous pouvez voir. Et j'aime bien quand même le packaging, il est quand même pas mal. Et il dit « Véritable cocktail d'ingrédients naturels et bio, ces gels nettoyants éliminent toute endosseur, impureté, résidus de pollution et maquillage et laissent votre peau ultra propre, fraîche et apaisée. Ces ingrédients clés, la camomille romaine à l'extrait d'avoine, hydratant et calmant. » Bah oui, j'ai entendu. Je le verte en fait aujourd'hui et je peux vous dire que ça sent hyper bon. Vraiment, c'est un produit qui est... une fois que j'aurai peut-être fini, si ça marche bien, je penserai quand même de les racheter. Hein, en full size. Parce que je suis quand même ravie déjà, rien qu'avec l'odeur. Du coup, après, il y avait... j'avais jamais entendu parler de cette marque. Mais bon... je sais pas si c'est Davin ou Sou. Bon... et c'est un hair milk, donc ça se présente comme celle-ci. Ça, c'est un 50 ml et en fait, le full size c'est 135 ml pour la valeur de 27,50 €. Ce soin ultra légère et le protecteur de votre chevelure en été. Il hydrate la fibre sans l'alourdir et la protège des méfaits des UV. Vaporisé sur chevaux humides ou secs pendant l'exposition au soleil ou utilisez-le comme un conditionneur sans rinçage. Bah, moi, je vous dis, en fait, je crois que cette mois-ci, il y avait aussi un autre truc pour les chevaux, mais c'était en fait pour les rendre plus secs. Et étant donné que moi, j'ai les chevaux hyper secs, je suis quand même ravie de recevoir ce produit parce que moi, vraiment, les produits qui ça me sec, les chevaux encore plus de qu'est-ce qu'ils sont secs, non, je suis vraiment pas intéressée. Et du coup, je suis quand même ravie et j'aime bien quand même le packaging. Pourquoi pas? Donc, si ça marche bien, pourquoi pas acheter les full size. Après, j'ai un One and Done Shadow Stick. Bah, en fait, c'est de la marque Lock. Et c'est 1,35 g pour la valeur de 10,50 €. Donc, apparemment, c'est un full size. Et ça se présente comme celle-ci. Si vous pouvez voir. Et dedans, ça se présente comme celle-ci. Et je vais quand même vous faire un swatch. Et je peux vous dire que c'est quand même une super beau couleur. Et en fait, c'est smudge free. J'espère que vous pouvez les voir. Et même qu'on fait comme ça, ça part pas. Donc, je crois que c'est quand même un bon produit pour l'été. J'avais, je crois, déjà entendu parler de cette marque, mais bon. Marque exclusive Birchbox dédiée au make-up trendy et colorful. Lock a imaginé ses crayons crémeux comme un nouvel indispensable. Il glisse sur la paupière et dépose un voile pigmenté et lumineux. Votre make-up est cruelty free. Ah bah, tant mieux. Ah bah, moi je peux vous dire que je suis quand même contente. Oui, elle a quand même, elle est quand même pigmentée. Hein. Donc vraiment, pourquoi pas? Je suis vraiment ravie de ces produits. Après, on a reçu un produit qui, quand je l'ai vu, je dis, ah, pourquoi
pas, parce qu'en plus, si vous avez vu peut-être mes vidéos, vous avez vu que moi j'adore l'occitan. Donc, ça peut être pas importe quel produit, hein, même un produit que j'ai déjà. Mais là, je reçois en fait un produit que j'avais pas et c'est un produit que quand même je voulais tester. Et du coup, je suis vraiment contente. Alors, en fait, c'est un douche parfumé jasmin et bergamote. Bah, ça, c'est un 50 ml, mais les full size, c'est 250 ml pour la valeur de 14,50 €. Donc, je sais que ça fait partie de la collection des grâces. Et en fait, quand on l'ouvre, moi, je sens pas trop les jasmins. Hein. Moi, je sens que la bergamote. Hein. Mais bon, j'adore quand même. Hein. Surtout, moi, tout ce que c'est citronné, bergamote, verveine, j'adore. Donc, c'est cette douche mêlée des absolus de jasmin de grâce et d'Égypte et de l'huile essentielle de bergamote d'Italie. Il mousse sur la peau et laisse toute douce. On n'a rien trouvé de mieux que ces soins pour transformer votre douche quotidien en vrai moment de détente. Son parfum frais qui reste sur la peau. Bah oui, surtout, moi je trouve que la bergamote, ça reste quand même dans les thèmes de l'été parce que ça a quand même un parfum un peu frais, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi pas, je suis vraiment ravie. Et du coup, le dernier produit, c'était un produit Melvita, qui est un nectar des roses, infusion soin des jours hydratant. Et les produits de 40 ml full size à la valeur de 24,50 €. Donc les miennes, c'est en 10 ml. Ça se présente comme celle-ci. Moi, je me dis qu'à moins de ça, ça pouvait être quand même un full size. Mais bon, on ne peut pas non plus tout avoir dans la vie. Et ça sent super bon. Ça sent vraiment la rose. Bah, surtout, c'est un produit bio. Donc pourquoi pas. Ce soin bio est enrichi à l'eau florale des roses anciennes et tréhalose, un sucre végétal. Procure une sensation immédiate de fraîcheur. Et pour cause, la rose est une excellente source d'hydratation. La peau est douce, rebondie, prête à être maquillée. La rosa centifolia a été infusée dans l'eau chaude pour en extraire toute la douceur. Ben oui, ben, je suis quand même ravie. Hein. Donc, ça, c'était tous les produits que j'avais reçus. Et après, en fait, comme c'était mon premier mois, bah, ils ont décidé de m'envoyer des produits en plus. Bah, en fait, soit il y avait un bracelet, mais quand j'ai vu le bracelet, je me suis dit, bof, première chose, il est moche. Désolée de dire ça, mais il était vraiment moche. Deuxième chose, je n'ai pas besoin. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un autre code promo pour recevoir des produits bronzantes. Donc, pourquoi pas? Ça reste quand même plus dans les thèmes. Et en fait, c'est de la marque Institut Estéderme Paris. Et du coup, ça, c'est les packaging des trois produits que j'ai reçus. Et derrière, ça se présente comme celle-ci, avec cette belle femme, qui elle est juste magnifique. Et du coup, sont tous quand même des produits mini. Hein. Mais apparemment, il y en a une qui, c'est pas un full size, mais ici, il y a marqué quand même les prix. Donc, les premiers produits s'appellent UV Incellium Technology Bronzant. C'est un spray visage et corps adapté naturellement. La peau au soleil adapte naturellement la peau au soleil et ça c'est un produit de 20 ml pour la valeur de 8,10 €. Donc ça se présente comme celle-ci et moi je peux vous dire que pour 20 ml bah ça je l'utiliserai que pour les visages hein, parce que oui bah, pourquoi pas. Et le deuxième produit c'est un bronze repair crème bronzante anti-rides. Et même celui-ci, je l'utiliserai que pour les visages. Et c'est soleil normal au fort. Et 120 ml, donc ça se présente comme celle-ci. Et je me dis, pourquoi pas non plus avoir un produit comme ça. Et le troisième et dernier produit, forcément, c'est les prolongateurs de bronzage. C'est un lait de soin apaisant, hydratant des corps. Et ça, c'est en 30 ml. Bah, 30 ml pour les corps, c'est pas quand même beaucoup, mais bon, à moins de 2 ou 3 fois, on peut essayer ces produits et voir si ça marche bien. Et après, peut-être acheter les full size. Bah, moi, je trouve que quand même, je suis quand même contente de ces produits bronzants parce que je répète, c'est mieux peut-être des trucs comme ça qu'un bracelet qui était vraiment moche. Hein.
Surtout, je ne sais même pas les matériaux, comment il était fait. Et du coup, je me dis, ah, non, je préfère ça. Bah, du coup, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez reçu dans votre Glossy Box de cette mois-ci, parce que je suis vraiment curieuse. Et si vous avez bien aimé la vidéo, bah, subscribe. Et on se voit à la prochaine fois. Au revoir, les filles!